En marge de la célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge le 8 mai prochain, les acteurs de la Croix-Rouge burkinabé ont organisé une conférence de presse pour décliner les différentes articulations de cette célébration et faire le bilan des activités menées. Tenant compte du contexte national marqué par les mouvements de population, nous allons faire un geste spécifique à l'endroit des personnes déplacées internes à Wayouya. Pour ce faire, nous avons prévu le samedi 7 mai prochain la remise officielle de 800 abris réalisés au profit des personnes déplacées à Wayouya. La remise de 800 kits réalisés au profit des personnes déplacées à Wayouya, la remise de 800 kits à articles ménagers essentiels et un lot de vêtements aux ménages les plus vulnérables pour aider à la prise en charge des soins de santé des personnes déplacées internes. Nous allons procéder à la remise d'un lot de médicaments au CSPS Naba Tigré qui accueille un grand nombre de ces PDI. Nous n'oublions pas aussi l'appui pour leur alimentation. Pour ce faire, nous avons prévu la distribution de plus de 5 tonnes de vivres à ces ménages. Le chef de la délégation du CICR félicite tous les acteurs et personnes qui, de façon volontaire, ont fait preuve de bienveillance en sauvant des vies. À l'occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, nous souhaitons célébrer les actes de gentillesse, qu'ils soient petits ou grands, qui peuvent faire une énorme différence dans la vie des gens, comme on l'a vu dans la présentation d'introduction. Des actes que nous posons tous au quotidien vis-à-vis de notre famille, de nos amis, de nos collègues, d'inconnus et surtout de personnes vulnérables. Dans la presse, on voit des initiatives de personnes privées, de structures, de services ou de familles qui viennent en aide à ces personnes sans attendre rien en retour. C'est l'occasion de dire merci à toutes ces bonnes volontés en les encourageant à poursuivre dans ce sens. Le CICR en appelle à toutes les parties de faire preuve de retenue. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire preuve d'humanité. Quant au bilan de ces activités, il est satisfaisant dans la mesure où, dans les domaines dans lesquels la Croix-Rouge intervient, plusieurs résultats ont été engrangés. 17 forages réalisés, des douches et latrines en faveur des personnes déplacées internes. Aussi, plusieurs assistances urgences en kit alimentaire, médicaments et vivres menés ainsi que l'appui aux coopératives en formation. Le thème de cette année de célébration est « Soyons aimables ». C'est une invite à tous afin de montrer de l'affection aux autres. Quant à sa mission, c'est de contribuer à soulager les souffrances humaines en tout lieu en mobilisant le pouvoir de l'humanité. Cependant, de nombreux défis restent à relever.